Les conseils municipaux sont-ils devenus les clubs-écoles des partis fédéraux? Ils sont certainement un bassin de recrutement. 8 maires, conseillers et préfets ont été élus à la Chambre des communes le 19 octobre dernier. Autant de municipalités qui devront organiser des élections partielles. C'est le cas, entre autres, de Victoriaville, où s'est rendue Marie-Ève Cousineau. À Victoriaville, l'ancien député fédéral de Richemont-Arthabaskan, André Bellavance, se lance dans la course à la mairie. La chaise est vide depuis que le maire Alain Raïes a fait le saut en politique fédérale sous la bannière conservatrice. La ville de Victoriaville organisera donc une élection le 21 février prochain. Au Québec, 6 autres municipalités, dont Grimby et Gatineau, ainsi qu'une MRC, celle du Rocher-Percé, doivent en faire autant d'ici le mois d'avril en raison du départ d'un élu vers Ottawa. Au total, 3 maires, 4 conseillers et un préfet doivent être remplacés. Organiser de telles élections demande du temps et de l'argent. La ville de Victoriaville espère un taux de participation entre 50 et 60 %.